Good morgen, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui le Rouat Arav Yosef Chaim ben Emma Simcha, Moshe Revel ben Gittel, David ben Jacqueline, Avraham ben Chana Chava. Si vous souhaitez vous y dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia, Perek Vav, Mishnah Vav. Kol Haomanin, Shomre Sachar, Hem, Vekulan Shamruto, Lel Shalach, Veave Maot, Shomer Chinam. Shmor li ve shmor lach, Shomer Sachar. On commence doucement à approcher le grand sujet des Shomrim, les différents gardiens de la Torah, en évoquant, le sujet il sera essentiellement développé dans les prochains Prakim, Zayin Chet, ça va parler à fond de ça. Pour le moment, on a déjà plusieurs fois évoqué le principe Shomer Chinam et Shomer Sachar. Shomer Chinam, c'est un gardien Chinam, gratuit, non rémunéré, et Shomer Sachar, c'est un gardien rémunéré. Ils ont chacun a un devoir de surveiller un niveau différent l'objet. Shomer Chinam, un gardien gratuit, est une personne qui me rend service. Lui, il n'a rien à y gagner à cette histoire, si ce n'est que de me permettre de me libérer les mains pour aller faire quelque chose d'autre. Donc il est, de ce fait, il est engagé au minimum de garde. Il est engagé uniquement à veiller à ce qu'il n'y ait pas de grosses négligences face à l'objet, qui soit un petit peu mieux gardé que si je le laissais tout seul dans la rue. Mais il n'est pas imposé de rester autour de l'animal pour bien le surveiller. Tandis que le Shomer Sachar, c'est une personne que je paye pour garder. De ce fait, il doit bien surveiller. Il doit rester autour de l'animal, veiller à qu'il y ait même des incidents un peu plus lointains, à veiller à ce qu'ils ne se produisent pas. Il est tout simplement engagé à surveiller, tandis que le premier n'est pas engagé à monter la garde. Il est juste engagé à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'objet. Tout comme j'ai laissé mon cheval en bas, là, tout de suite, je l'ai attaché, je suis monté à la maison. Je suis pas ouais, donc autant que je me conduis avec mon bien, quand je suis chômeur chinam de mon voisin, hein, je dois lui aussi, surveiller son cheval de la même manière, l'attacher comme j'attache, comme une personne normale attache un cheval, sans trop se soucier qu'il y ait peut-être un voleur qui va venir, qui va lui voler. D'accord ? Tandis qu'un chômeur sahara, il est rémunéré, donc il doit monter la garde bien. D'accord ? Ça, c'est la notion très générale. Concrètement, si on veut traduire ça, ça va s'exprimer que Shomer Chinam, il est juste Chayav Bepshia, un gardien non rémunéré, et juste responsable lorsqu'il a fait une Pshia, c'est qu'il a négligé, il a fait une vraie négligence, c'est-à-dire au lieu d'attacher l'animal comme quelqu'un l'attache, même ça, il ne l'a pas fait. Donc, là, c'est une négligence. Par contre, il sera Patur Begneva Vaveda. Il sera dispensé de rembourser si toutefois l'animal s'est fait voler ou a disparu soudainement. D'accord, Gneva, c'est un voleur qui vient par derrière sans prévenir, en cachette. Tandis qu'un chômeur sahar, il sera chayav Begneva Vaveda. Puisqu'il est rémunéré, il doit faire en sorte qu'il n'y ait même pas de voleur qui s'introduit par la fenêtre. Il reste autour de l'objet. Rôde, surveille les fenêtres, qu'il n'y ait personne qui s'introduise. D'accord? Il ne sera pas tournant dans certains cas, tandis que le cheval sera chayav, ça on aura l'occasion de l'évoquer. Ça, c'est une introduction très générale. On aura l'occasion de la reprendre. Et concrètement, maintenant, notre Mishnah va s'intéresser à apporter une précision très importante. On n'est pas un gardien rémunéré uniquement en recevant une paye. Même si je reçois un service ou un quelconque intérêt lorsque j'ai un objet que je garde dans la main, d'accord ? Le fait que je tire un profit du fait que l'objet est dans mes mains, je deviens par cela Shomer Sachar. D'accord ? Notre Mishnah va nous apporter plusieurs cas de figure. Et on le fait directement dans les mots. Regardez. Kol haumanin shomre sachar hen. Un ouman, on avait expliqué, c'est ce qu'on appelle un kablan, un entrepreneur. Quelqu'un qui n'est pas payé à l'heure, un artisan qui est payé à la tâche. À qui on donne quelque chose chez lui, par exemple un cordonnier, je lui donne mes chaussures, on a fixé qu'il va mettre, il va me faire des semelles pour 80 shekels. La Mishnah m'enseigne, ce ouman, cet artisan, il est chômeur sachar sur mes chaussures. Il doit surveiller mes chaussures avec un niveau de chômeur sachar. Même si concrètement, je ne lui donne pas de l'argent pour garder mes chaussures. Je vais juste donner mes chaussures et en contrepartie, donner mes chaussures pour qu'il les répare. Il va recevoir une paye, mais il ne reçoit pas une paye pour monter la garde. D'accord ? Malgré tout, la Mishnah nous enseigne qu'il devient chômeur sachar sur mes chaussures. Il devient donc gardien rémunéré sur mes choses, considéré comme un gardien rémunéré. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est que ce cordonnier-là, il a un intérêt à recevoir l'objet sur lequel il travaille chez lui dans sa propriété,
Comme ça, au moins, maximum, si je viens pas le payer, eh ben, il aura gagné des chaussures à 400 shekels et il aura de quoi se faire rembourser amplement son travail et même en garder un petit peu pour lui. Puisqu'il est intéressé à avoir ça en caution quelque part, avoir mes chaussures en caution comme ça, il est certain de toucher son salaire, il n'y aura pas d'entourloupe, je ne vais pas disparaître de la circulation. Contre ce profit, il est prêt à devenir chômeur chinam, chômeur sachar. Chômeur sachar, un gardien rémunéré. De là va découler la suite de la Mishnah. Vekulan shamru tolet shelach ve'ave ma'ot chômeur chinam. Si maintenant ce cordonnier m'a envoyé un chaliach, un émissaire, ou bien il m'a passé un coup de fil, il m'a dit, bon écoute, s'il te plaît, fais-moi plaisir, viens récupérer tes chaussures, elles m'encombrent. Et je lui dis, et il me dit clairement, viens vite récupérer tes chaussures et amène-moi l'argent quand tu voudras. Ouh, cette fois-ci le cordonnier, il m'a dévoilé son intention, qu'il n'a aucune intention de garder mon bien pour se faire payer de lui. De ce fait, il cesse d'être chômeur sachar, d'être gardien rémunéré, pour devenir à un niveau de chômeur chinam. Il devra quand même le garder. Ouais, on n'est pas en froid, il va pas me dire « prends vite tes chaussures, sinon je les jette dehors ». Il n'y a pas de violence entre nous. Il m'a dit « Mitsidi, de mon côté, tu peux venir les récupérer et tu m'amèneras l'argent plus tard ». Donc, « Vekulan shamru », tous les artisans qui ont dit « Tol et shelcha ».« Tol », ça veut dire « tikach ». Prends ce qui t'appartient. « Tol et shelach », prends ce qui t'appartient. Lave ma haute et tu me rapporteras l'argent à l'occasion. Shomer Chinam, il devient un niveau de Shomer Chinam. Autre cas de figure maintenant où on peut devenir un Shomer Sachar sans recevoir de l'argent. Tout simplement, Shmor li ve Shmor lecha. Tu sais quoi? Regarde, moi aujourd'hui je dois partir à Tel Aviv et je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon cheval. Et demain, toi, tu devras partir à Tel Aviv et tu ne sauras pas quoi faire avec ton cheval. Viens, on fait un accord entre nous. Aujourd'hui, tu me gardes, toi, mon cheval. Et demain, je te garderai le tien. Ouais, je prends un mauvais exemple. Parce qu'on a besoin du cheval pour partir à Tel Aviv. Bon, imaginez, on s'est compris, d'accord, je vais partir en train à Tel Aviv et donc je lui demande de garder mon chien. Shmor li ve shmor lecha. Garde-le, moi, et je te le garderai demain. Attention. On apportera une précision essentielle, c'est un sujet annexe, mais qui va être apporté dans le partenariat, donc on va suivre. Pour le moment, faites attention, on ne parle pas que tout de suite je te garde le tien, tu gardes le sien tout de suite, tous les deux, mais on parle du cas, garde le mien aujourd'hui, et demain je garderai le tien. Cette fois-ci, lorsque je deviens gardien, ou il devient gardien, on a un intérêt que par là, on va gagner que demain, il a une dette envers moi maintenant, et qu'il va devoir garder. Ah, là je ne rentre plus dans la garde, pour lui faire un simple chesed. J'ai aussi un intérêt. J'ai un intérêt, je deviens chômeur sacha. C'est clair? On continue maintenant avec un autre cas, une précision importante aussi. Shmorli. Je suis parti voir une personne et je lui dis Shmorli, tishmor bishvili. Garde-moi cet objet. Amarlo, hanach lefanai. Il a dit ça marche. Hanach lefanai. Vas-y, pose-le devant moi. J'ai les mains occupées en train de travailler. Pose-le devant moi. Shomer chinam. On devient chômeur chinam de cette manière. On explique, vous n'avez sûrement pas forcément compris c'est quoi l'intérêt de cette Mishnah, c'est évident. Si vous savez ce qu'il y a écrit dans cette Mishnah, il y a une loi qu'on a déjà évoquée dans Baba Kama, je crois. Tiknu meshicha beshomrim. On va prendre le cas opposé de la Mishnah. Supposez qu'on est sur la voie publique. D'accord, et vous me dites, tu sais quoi, tu peux me garder mon stylo? Je lui dis, ouais, vas-y, pose-le ici, sur le rebord, ici. Et il le pose sur le rebord. Et après, je pars, je l'oublie, je suis dans la lune. Eh ben, je serai dispensé de le payer. Pourquoi? Tiknou meshicha beshomrim. Pour devenir gardien, pour concrètement entrer gardien responsable, il faut faire un acte d'acquisition sur l'objet. On l'avait même évoqué aussi quand on était dans le Ferek Shlishi de Baba Metzia, la première Mishnah de Mafkid. Il faut forcément faire un acte d'acquisition pour devenir chômeur. Il faut le prendre chez soi, symboliquement, ça veut dire soulever l'objet. Si je te dis pose-le ici, vas-y, pose-le ici, et tu le poses, je ne deviendrai pas gardien de cette manière, je n'ai pas fait d'acte d'acquisition. Il faut que je devienne, d'accord? Il doit entrer dans ma main. C'est une notion qui existe dans les Xéla, dans plein de choses. On l'a évoqué souvent, là, dans le Xéla, on avait parlé « Imimatsetimatsé Beyado » à Gneva. Il faut forcément que ça rentre Beyado. La même notion avec le Shomer Chinam. De ce fait, je lui dis « Pose-le sur la voie publique, je ne deviens pas Shomer Chinam. » Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne la Mishnah ici?
Shmor li, garde-le moi, et va marlo anaf nefanel, vas-y, pose-le devant moi, et qu'on la Mishnah nous enseigne qui devient Shomer Chinam. L'Agma précise que c'est pas ici que la Mishnah le précise, elle le précise plus loin en réalité, c'est rapporté ici dans le. Dans les Mefarshim, c'est rapporté ici par Tosafim Tov, Mouka Yosef. On parle du cas où il est entré dans ma propriété. Et comme ce qu'on a déjà évoqué, on acquiert la propriété considérée comme ma main. S'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui entre dans ma propriété, je peux dire que je l'acquiert, on considère ma maison comme ma main. De ce fait, quelque chose de l'extérieur qui entre, je peux l'acquérir avec ma maison autant que je peux l'acquérir en le saisissant dans ma main. De ce fait, s'il vient me voir, il me dit, tu peux garder mon chien? Je dis, vas-y, laisse-le. Mais on est dans ma propriété. Puisque je lui dis, Hanach Lefanaï, pose-le devant moi. Alors, on devient comme cela, Shomer Chinam. On a fini à présent. Quand même, il y a une précision importante du Dieu. Vas-y, laisse, pose. Précision importante. C'est que quand je lui dis, Hanach Lefanaï, pose-le devant moi. Mais si je lui dis, pose, sans dire devant moi, dans ce cas-là, même s'il le met dans ma propriété, je ne serai pas considéré encore comme un Shomer, étant donné que je lui dis, tu m'as pris pour un pigeon ou pas? Ou quoi? C'est une manière de dire, vas-y, tu peux me garder mon chien? Je t'en prie, vas-y. Alors là, je ne deviens pas un gardien. Ça va être tout ça précisé dans le Barthénora. Ouais, je le dis tout de suite, il y a marqué Hanar Stam. Oh, Hanar Lefanecha. Vas-y, tu pose-le devant toi. Au lieu de lui dire pose-le devant moi, je lui dis pose-le devant toi. C'est une manière un petit peu. D'accord, un peu travaillée pour lui dire tu m'as pris pour qui? Donc dans ce cas-là, je ne serai pas Shomer Chinam. Ok. Maintenant, un petit sujet annexe. Lorsqu'on a évoqué le cas de Shmor li ve Shmor lecha, garde pour moi et je garderai pour toi, j'ai bien précisé, au nom de la Gemara, qu'on ne parle pas du cas où je lui dis garde-moi mon cheval et je te garde ton argent, tout de suite. Mais je lui dis garde-moi mon cheval aujourd'hui et demain tu me garderas mon argent, mon cheval, et je te garderai ton argent, ton cheval, peu importe. Le problème, il est juste, la notion, elle est simple. Elle est simple et très compliquée en réalité. Peut-être qu'on va le faire d'ailleurs à l'intérieur des psukim, ce sera plus intéressant. Un petit peu plus long, certes, mais ça vaut le coup. Il y a un pasouk dans la Torah, parce que moi j'aime bien que les gens et moi-même connaissent ce qui a marqué dans la Torah. Quand même, on ne vit qu'une fois, il vaut mieux comprendre tous les psukim une fois dans notre vie. Il y a dans la parashat Mishpatim, il y avait là-bas toute la parashat du Shoel. D'accord, celui qui emprunte un objet. Vechishal ishmeim re'eu venishba omet. Lorsqu'un homme empruntera de son prochain un animal, donc Venishbar, il s'est cassé ou il en est mort, Be'ala Venimo, Shalem Yeshalem. La Torah nous précise, au lieu de me dire que tu es gardien, tu es quelqu'un qui emprunte, tu dois payer, la Torah nous dit attention, Be'ala Venimo, Shalem Yeshalem. Puisque le propriétaire n'est pas avec lui, c'est-à-dire quand je t'ai emprunté un objet, toi t'es resté chez toi et j'ai pris ton cheval pour partir faire un tour avec. Puis la Torah me dit, puisque tu n'es pas venu avec moi, avec ton cheval, pendant que tu es parti faire mon petit tour, alors je devrais payer. Et la Torah continue de préciser, « Im be'alav imo lo yeshalem ». Par contre, si je t'ai demandé le cheval, tu m'as dit « Oui, je te le prête ». Mais, au lieu de me donner le cheval uniquement, tu t'es mis à me sortir le cheval et à partir te promener avec moi. Comme ça, tu diriges toi le cheval, moi je ne sais pas faire du cheval tout seul. « Im be'alav imo lo yeshalem ». Si son propriétaire est avec l'animal, il ne devra pas le payer. Après, il y a une suite, on aura l'occasion d'en parler. Im sachir hu babisraro. C'est plus lié à notre sujet. Notion très importante. J'ai pris un cas pour le moment simple. D'accord? C'est ce qu'on a la notion qu'on appelle dans la Gemara Shmira beba'alim. Ou dans les Yeshivot, Shmira beba'alim. Shmira beba'alim. C'est quoi Shmira beba'alim? Garder un objet, c'est-à-dire devenir gardien d'un objet, mais lorsque son propriétaire entre lui aussi dans ma propriété pour travailler pour moi. Le cas très fort, c'est que par exemple, comme le cas que j'ai dit, j'emprunte un cheval, mais j'emprunte aussi, je te demande aussi de venir m'aider à diriger le cheval. Donc, tu me prêtes le cheval et tu te prêtes à toi-même. Puisque toi, tu viens avec ton cheval, je ne devrais pas te payer si le cheval meurt. Ça, c'est la notion générale, elle est simple. On considère qu'un shoel, et il en va de même aussi pour le Shomer Sakhar, celui qui est socher aussi, celui qui loue un objet, ou même Shomer Chinam, c'est un peu discuté, mais en tout cas, d'accord, la notion elle est simple, puisque j'emprunte, c'est-à-dire je suis chayav selon la Torah dans les dîners Shomrim, dans la lachot des gardiens, uniquement lorsque je prends ton bien, et que toi tu restes chez toi, et puis moi je prends ton bien. Mais si tu viens toi aussi avec ton bien, c'est-à-dire tu viens avec ton bien pour travailler pour moi, pour me rendre un service aussi,
Alors c'est ce qu'on va appeler Shmira Bebaïli, mais je ne serai pas tour de te rembourser. Ça, c'est la notion. Jolie, simple, pas compliqué. Le problème, il commence où? On va prendre des cas très rapidement, mais un cas histoire d'illustrer. C'est fréquent dans la Torah. C'est qu'il y a une notion qui est assez claire, mais c'est ensuite quand on va commencer à jouer sur les limites des choses, on va réaliser qu'il y a quelque chose de plus tellement logique dans l'histoire. C'est que si par exemple je t'emprunte le cheval et tu viens travailler avec moi pendant 2 minutes, je te dis, tu sais quoi, attends, je monte sur le cheval, mais aide-moi à sortir de chez toi avec le cheval, c'est un peu, j'ai peur de marcher ici, c'est un peu trop compliqué. Donc au moment où j'emprunte le cheval, je t'emprunte aussi. Tu deviens, toi aussi, tu vas rendre un service, mais pendant 2 minutes. Et après, je vais passer 10 heures, 3 jours, 15 jours, 2 mois avec le cheval. Mais au moment où je suis devenu Shoel, pour le moment, c'était un moment où tu étais en train de travailler pour moi. Tu es venu faire un travail pour moi. On considère que tout le temps, là où je dois ensuite surveiller l'animal, parce que je l'ai emprunté pour le pendre, je serai dispensé de le rembourser. Pourquoi? Parce qu'au moment où je l'ai emprunté, c'était une Shmira Bebaalim. Mieux que ça maintenant, attention, accrochez-vous encore, on va continuer à pousser le bouchon encore plus loin, c'est que j'emprunte le cheval et je lui dis, attends, tu sais quoi, rends-moi un petit service, ramasse l'objet là-bas, tu le mets là-bas, d'accord? Donc au moment où j'emprunte le cheval, tu me rends un service qui n'a aucun rapport avec le cheval. On considère que c'est aussi une Shmira Bebaalim, mais je serai pas tour. D'accord? Tout ça, c'est rapporté dans la Gemara ici. C'est une halakha, c'est rigolo. C'est tellement que la Gemara raconte plusieurs cas de Amoraïm qui étaient des juges et qui se sont trompés sur cette halakha. La Gemara, elle évoque, je crois, 3-4 cas de Rav Papa et Rava, qu'ils sont venus, ils ont tranché une halakha et du coup, les élèves qui étaient allés ont dit « Mais attends, Rav, c'était un Shmira Bebaalim. » Il y a marqué la Gemara, il est devenu blanc, il a eu honte. Jusqu'à qu'à la fin, Mina Shamaïm, on l'a aidé de réaliser qu'en fait, il s'était peut-être trompé dans ses considérations, mais en tout cas, il ne s'était pas trompé dans l'halakha pour d'autres raisons. Enfin, c'est la Gemara dans, je crois, Pébet, si je ne me trompe pas, Daf Pébet dans Bavessia ou Pétet, je sais plus. La Gemara qui correspond à cette partie-là. D'accord, en tout cas, on en reste là pour le moment. Donc c'est clair, la notion de Shmira Bebaalim. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Barthé Noir. Kol Haomanim, Shomrei Sachar En. On avait vu que tous les artisans, donc le Barthé Noir nous dit Kablanim, les entrepreneurs, Shemei Kablim, Alem la Sainte Melacha Bebatem, qui reçoivent un travail à faire dans leur maison. Donc ils prennent l'objet pour aller travailler chez lui. Un objet à coudre dans son atelier, une chaussure dans cette ordonnerie. Shomrei Sachar En. Il devient Shomer Sachar, un gardien rémunéré. Les Trayev Begneva Baveda, qui sera désormais Chayav sur la Gneva Baveda, c'est l'objet se fait voler en cachette. De Be'ahi Anaa de Tafas Lea Agra avait allé Shomer Sachar. Par le profit qu'il a de saisir l'objet au cas où l'autre me fait une entourloupe, ne voudra plus me payer, par ce profit-là, alors ça s'appelle que je suis quelque part rémunéré sur l'objet que je surveille, donc je viens Shomer Sachar. Vekulan She'amru Tol Et Shelcha. Dans tous les cas, si jamais je l'appelais, je lui dis vas-y, Tol Et Shelcha. Shekvar Gamartiv, j'ai fini de travailler avec, il m'encombre. Ve'eni Me'ak Volet Tofso Al Schari. Et je ne veux plus le faire traîner chez moi pour le prendre, pour m'en faire payer. Ome'achar Shetolichenu, ta vie mote. Et quand tu l'auras récupéré, tu m'apporteras l'argent ensuite. Areo Misham Ve'elach Shomer Chinam. Il sera désormais Shomer Chinam, gardien gratuit, bénévole. Shmorli Ve'shmorlecha. Donc c'est le cas qu'on a expliqué maintenant avec la Shmira Bebaalim. Regardez. Shmorli Hayom. Garde pour moi aujourd'hui et moi je garderai pour toi demain, mais pas qu'on se travaille mutuellement, que je te dis garde ça pour moi et je garde le tien en même temps, parce que dans ce cas là au moment où je veux devenir gardien chez toi, tu vas aussi devenir gardien pour moi, t'es en train de travailler pour moi, ça s'appellera une Shmira Bebaalim. Regardez, aval shmorli ata ze vani shomer lecha ze et acher bimkomo. Garde moi cet objet là et puis moi pendant ce temps je te garde l'autre objet, on sera dispensé. Pourquoi? La kol bizman echad, et tout se passe dans un même moment. Shmira Bebaalim hi ou patour, c'est ce qu'on appelle une Shmira Bebaalim. Je garde en présence, même si c'est pas vraiment la présence, mais en tout cas c'est d'accord, je garde avec la présence du propriétaire et dans ce cas là je serai dispensé. Hanach lefanai shomer chidam, le dernier cas de la mission, je dis vas-y pose devant moi. Aval hanach lefanecha, par contre je dis, il me dit hey, tu peux me garder ça, je t'en prie, mais garde-le devant toi. Ça veut dire quoi garde-le devant toi? Oh hanach stam, vas-y pose-le, jette-le. Afilu shomer chinam lo ave, je deviens même pas shomer chinam dans un cas pareil. Parce qu'il n'aura pas pris sur lui de garder l'objet. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tout, c'est là.